ていた少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない、いや寝れないでいる、寝たらダメだ、寝たら死ぬ。En 2004, après une grosse journée de travail, je rentrais chez moi, à Tokyo, et m'ouvrais une bière en m'affalant devant la télé sans vraiment savoir ce que j'y voulais regarder. Un téléfilm commençait, Konkurito, béton en français. Je mangeais machinalement le repas que ma copine m'avait préparé en regardant les premières minutes de la fiction, sans grand intérêt, je dois dire. Lorsque ma compagne se joint à moi et me demanda ce que je regardais, elle poussa un cri d'horreur et me demanda de changer de chaîne. C'est après être passé sur une émission de divertissement et avoir terminé mon repas qu'elle me parla du sujet de ce téléfilm qui semblait tant la terrifier. Le calvaire et le meurtre de Junko Furuta. J'ai eu beau lire et voir des centaines d'histoires criminelles atroces, c'est toujours, à ce jour, celle qui me glace le plus le sang. Laissez-moi vous la raconter et vous dire pourquoi elle est aussi symptomatique de la société japonaise. Junko Furuta est né le 18 janvier 1971 à Misato, une petite ville de la préfecture de Saitama. Au moment du drame, elle fréquente le lycée de Yashio Minami, lycée dans lequel elle est appréciée de ses camarades pour son sérieux et sa joie de vivre. Jolie et élégante, elle attire cependant la jalousie de certaines filles qui voient dans son attitude très sérieuse et appliquée, elle travaille également à mi-temps après les cours, une forme d'arrogance. Mais ceux qui la regardent avec le plus de mépris sont ces jeunes garçons, apprentis yakuza dont Miyano Hiroshi fait partie et qui, malgré un certain mépris pour cette fille qui ne boit pas, ne fume pas et ne se drogue pas, aimerait bien la mettre sur son tableau de chasse amoureux. Les amis de la jeune fille témoigneront d'ailleurs qu'elle avait éconduit Miyano à plusieurs reprises alors que celui-ci tentait de l'inviter à sortir. Mais le jeune apprenti yakuza, peu habitué à la frustration et enorgueilli par les ridicules petites responsabilités qu'il avait acquises au sein de l'organisation criminelle, voit ses refus comme un affront et échafaude déjà son plan machiavélique. C'est le 25 novembre 1988 que tout bascule et que la petite vie tranquille et bienveillante de Junko se transforme en cauchemar fatal. Aidé d'un complice, Minato Shinji, un autre apprenti du crime, il suit la jeune fille qui sort de la supérette dans laquelle elle travaille à mi-temps. Il est environ 20h30. Elle regagne la maison de ses parents à vélo lorsque Minato la percute avec son scooter avant de prendre la fuite. Feignant de passer là par hasard, Miyano accourt pour lui porter secours et lui propose de la raccompagner chez elle. Chamboulée et apeurée par son accident, elle accepte la proposition. Mais en chemin, Miyano la tire de force dans un entrepôt et lui parle de ses activités criminelles et de ses connexions avec les yakuza. La menaçant de mort si elle crie ou se débat, il la viole une première fois dans cet entrepôt puis la force à le suivre dans un hôtel miteux du voisinage. Pendant que Junko, terrifiée, implore sa pitié, Miyano appelle ses complices, déjà coupables de plusieurs viols et kidnappings, Ogura Jo et Watanabe Yashi, pour leur raconter ses exploits. Les deux amis lui demandent de garder Junko prisonnière pour qu'ils puissent aussi en profiter. Watanabe, Ogura et Minato attendent Miyano et sa captive dans un parc proche de l'hôtel, et c'est vers 3h du matin que tous se retrouvent. Ils rappellent à Junko qu'ils connaissent son adresse et peuvent demander à leurs amis yakuza d'exécuter sa famille si jamais elle se rebelle ou tente quoi que ce soit. C'est à ce moment que les quatre bourreaux la conduisent de force dans la maison des parents de Minato, et la viole durant plusieurs jours. Ce n'est que 2 jours plus tard, le 27 novembre, que les parents de Junko signalent la disparition de leur fille à la police. Cependant que les kidnappeurs, supposant que la famille de leur victime allait informer la police, montèrent un plan diabolique pour détourner l'attention. Sous la menace d'une arme et de sévices atroces si elle n'obéissait pas, Junko fut contrainte d'appeler ses parents et de leur raconter qu'elle avait fugué avec son petit ami et ne comptait pas revenir. Elle les implora de ne pas appeler la police. Soucieux de ne pas attirer l'attention sur eux, les parents stoppèrent les démarches. Les apprentis yakuza avaient aussi sécurisé leur quartier général de l'horreur en menaçant les parents de Minato de mort s'ils parlaient de leurs activités criminelles,
et en présentant Junko comme la petite amie de leur fils. Le martyre de Junko dura 40 jours. 40 jours de viols, d'abus terrifiants et de tortures innommables. Les quatre complices se déchaînèrent sur leurs victimes et invitèrent même leurs amis Yakuza à venir violer et torturer Junko dès qu'ils le souhaitaient, ce qu'ils firent. D'après les rapports d'expertise, elle fut violée plus de 400 fois. Mais les quatre bourreaux déchaînèrent toute leur cruauté également en élaborant des tortures atroces. Tout commence par des coups de pied au ventre et dans le dos, des coups de barre de fer dans l'estomac. Ils la forcèrent à manger des cafards vivants et à boire son urine alors qu'elle demandait à manger et à boire. Puis, quelques jours plus tard, ils la pendirent au plafond et s'en servirent de sac de frappe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Les jours suivants, ils lui introduisirent divers objets dans le vagin et l'anus, dont une ampoule allumée brûlante, lui brûlèrent les parties intimes avec des cigarettes et un briquet, puis firent couler de la cire fondue sur ses paupières. Quelques jours plus tard, l'un des bourreaux lui arracha le téton gauche avec des pinces et lui enfonça des épingles dans l'autre. Durant les premiers jours de décembre, Junko profita de l'absence de ses tortionnaires pour appeler la police. Mais l'un d'eux rentra à ce moment-là et la malheureuse allait payer cette ultime tentative de sa vie, après quelques jours de torture qui conduirait à l'issue fatale. Ils enflammèrent ses jambes et son ventre avec de l'essence à briquet et la regardèrent brûler tandis qu'elle implorait qu'on la tue, qu'on l'achève. Mais les quatre n'en firent rien. Et survivant miraculeusement à cette horreur, elle dut subir de nouveau des viols répétés et dormir sur le balcon, en plein hiver, par des températures négatives. Le déchaînement de coups et de tortures firent que la malheureuse ne pouvait plus contrôler ses fonctions naturelles, ce qui déchaîna encore plus de violence contre elle. Couverte de plaies infectées et d'hématomes, pas lavée, souillée, le corps de Junko dégageait déjà une forte odeur de putréfaction, bien que, par miracle, son cœur batte encore. Les quatre jeunes Yakuza perdirent leur envie bestiale de la violer, et du coup, pour ajouter un peu d'immonde, kidnappèrent et violèrent une jeune fille de 19 ans qui rentrait de l'école. C'est le 4 janvier que le calvaire de la jeune fille prit fin dans un ultime et fatal déchaînement de violence. Forcée à jouer au mahjong avec ses bourreaux, elle gagna une partie par hasard, ce qui mit les quatre dans une colère noire. Elle fut rouée de coups, frappée au visage et au ventre avec une barre de fer. Les yeux brûlés par des bougies, puis ils lui écrasèrent les mains et les pieds avec une batte de baseball. Ayant perdu connaissance, les tortionnaires mirent le feu à son corps une nouvelle fois, puis la rouèrent de coups. Encore. Détail sordide, ils avaient recouvert leurs mains de sacs plastiques, tant le sang et le pus les éclaboussaient lorsqu'ils la frappaient. En fin de soirée, et après plusieurs heures de ce traitement, son cœur lâcha. Il leur fallut 24 heures pour réaliser que leur victime était morte et prendre conscience de ce qu'ils risquaient, plus que de ce qu'ils avaient fait. Pensant échapper à la justice simplement, ils roulèrent son corps supplicié dans des couvertures, puis dans un grand sac et plongèrent son corps dans un bidon métallique qu'ils remplirent de ciment et allèrent dissimuler dans un terrain vague. C'est quelques semaines plus tard, le 23 janvier 1989, que Miyano et Ogura sont interpellés par la police dans le cadre d'une enquête sur le viol d'une jeune fille de 19 ans, celle-là même qu'ils kidnappèrent durant les derniers jours de l'agonie de Junko. Après une perquisition chez les suspects, la police y retrouve des sous-vêtements appartenant à la victime et peuvent ainsi orienter leurs interrogatoires. Par un regroupement d'indices, notamment géographiques et chronologiques, les enquêteurs pensent que les deux apprentis gangsters pourraient être liés à la disparition de Junko Furuta. Prêchant le faux pour savoir le vrai, interrogés séparément, ils disent à Miyano que son complice Ogura a tout avoué et qu'il ferait bien de se confesser lui aussi. Miyano passe aux aveux et leur indique où se trouve le corps. Le 1er avril, Ogura, Miyano, Watanabe et Minato et son frère sont arrêtés pour kidnapping, viol en réunion et meurtre. L'enterrement de Junko eut lieu le 2 avril en présence d'une foule innombrable, même s'il devait être en comité réduit comme demandé par la famille. Adoré par ses camarades, c'est toute son école qui était en pleurs derrière le cortège funéraire. L'une de ses amies lui écrit ce message. « Petite Junko, bienvenue. Jamais je n'aurais pensé te revoir dans de telles circonstances.
Tu as dû ressentir tant de souffrances, tant de peines. Tu étais si belle dans ton happy pendant notre festival scolaire, on ne t'oubliera jamais. J'ai entendu dire que notre directeur t'avait délivré ton diplôme de fin d'année, alors nous voilà amis de promotion pour toujours. Petite Junko, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Repose en paix.純ちゃん、おかえりなさい。こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時、みんなでお揃いで作った赤いハッピー。とっても似合っていましたね。 一生忘れないでしょう。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組、なん47名、みんな卒業できました。じゃあ、お伝えことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。 Mineurs au moment des faits, les bourreaux furent jugés par une juridiction différente et purent échapper à la peine capitale. Horrifiée par le récit de ce crime, l'opinion publique vécut assez mal que les identités des meurtriers restent anonymes. Et c'est grâce aux investigations du magazine Shukam Bunchun que les noms des assassins purent être connus de tous. Les quatre principaux suspects plaidèrent coupables pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Miyano fut condamné à 17 ans de prison, sentence additionnée de 3 années après qu'il fit appel. Il purgea donc 20 ans de prison, sans remise de peine. Il sortit en 2010 et replongea en 2013 pour escroquerie. La mère de Miyano fut condamnée à verser 50 millions de yens à la famille Furuta. Minato, qui avait 16 ans au moment des faits, fut condamné à 6 ans de prison. Comme son complice Miyano, il fit appel et prit 3 ans de plus. Les parents de Junko, dévastés que le meurtrier de leur fille soit aussi légèrement condamné, entreprirent une action en justice contre les parents de ce dernier pour complicité. Procès qu'ils gagnèrent. Watanabe, qui avait juste 17 ans lors du meurtre, purge une peine de 7 ans de prison, 4 en première instance et 3 ans supplémentaires, comme ses complices lors de son appel. Ogura, qui durant tout le procès s'était largement défaussé sur ses amis et avait minimisé son rôle dans le calvaire et la mère de Junko, purgea lui 8 ans dans un pénitencier pour mineurs. Ce procès marqua durablement l'opinion publique et remit en question l'âge de la majorité pénale et des responsabilités individuelles. Le manque de sévérité des condamnations face à l'atrocité du crime choqua même le juge, qui, contraint d'appliquer la loi, fit une remarque personnelle sur l'atrocité des faits après avoir rendu son jugement, chose exceptionnelle au Japon. Ce crime exceptionnel, dans la première acception du terme, n'aurait probablement pas pu avoir lieu dans un autre pays et nous en dit beaucoup sur la société japonaise de ces années-là, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup changé. Junko aurait pu être sauvée à plusieurs reprises. Les parents de Minato tout d'abord. Terrorisés par un fils apprenti Yakuza, certes, mais aussi soucieux de ne pas ébruiter les activités criminelles de leur fils et, donc, fermant facilement les yeux sur ce qui se passait chez eux pour ne pas faire de vagues. Les parents même de Junko qui n'osent pas déranger la police dans un premier temps et qui, après le coup de fil forcé de leur fille, abandonnent leur plainte mais n'osent pas se lancer dans une enquête de voisinage, l'enquête le démontrera, de peur que leur fille, soi-disant partie avec son petit ami, ne passe pour une fille délurée et n'entache la réputation de la famille. La police, enfin. Informée par le frère de l'un des violeurs, une patrouille se rendit chez les Minato et demandèrent, sur le pas de la porte, s'il y avait une jeune fille chez eux. Pas encore au courant, les parents proposèrent aux policiers d'entrer, mais ceux-ci refusèrent, pour ne pas déranger le couple à 7 heures, les croyant sur parole. La société japonaise est la moins criminelle au monde et les meurtres de sang y restent rares. Mais, lorsqu'ils arrivent, ils sont toujours liés à l'une des facettes de la culture. Ici, la réputation, la relation à l'autre, aux voisins et à la société. Avoir l'air de garder le contrôle en toutes circonstances et ne pas faire de vagues. C'est malheureusement toujours un peu le cas, puisqu'à peine un quart des agressions donne lieu à un procès, se réglant, en général, entre les parties, en espèces et en toute discrétion.
Habitant le même quartier et marchant souvent le long des trottoirs où se déroula cette tragique histoire, je pense souvent au martyr de Junko lorsque je m'assois dans le parc Wakase. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose et vous aura plu. Ce pays est le mien et je l'aime, mais on tue même au paradis. A très bientôt pour de nouvelles histoires de crimes au Japon. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous voulez suivre mes chroniques sanglantes et partagez si vous pensez que vos amis pourraient apprécier. Matane.